Tiens, on dirait que Shoachin était un petit peu bloqué avec un ennemi sur le toit. Avec toi, un mosquito. Ça, c'est fait. Messieurs, dames, bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Warzone France. On est donc parti pour découvrir ensemble les clips de l'épisode 395. Pensez à nous envoyer les vôtres si vous aussi vous souhaitez passer sur la chaîne. Et en attendant, on continue avec Physique, qui avait sorti le mort sur Rebirth Island. Oh, pourquoi ça one-shot pas là? J'ai fait une collate à travers le hall. Ça, c'est du clip de qualité. On enchaîne avec Sexy qui tentait le redéploiement sur ce bateau. Et Vaillant 07, le 18e mois, l'Ardèche qui s'abonne, mais non. Apparemment, la rumeur dit que c'est le seul. Bon bah, c'est raté. Du côté de Movi, ça fait encore et toujours du très très sale. Coucou les loulous. Le dernier il l'a traqué jusqu'au bout. Chez Zeus, W2, ça fait joujou avec l'ennemi. Vas-y, reste-toi. Hop là. Hop là. Décidément, c'est la mode en ce moment. On va faire un tour chez Renzo et vous vous en doutez, ça va piquer. Oh my god! Il est déjà parti à lui? Déjà parti? C'est une dinguerie. Yo, sobad. Oh my god, le carnage. Oh ouais, je suis heureux ça. Je sais pas vous, mais pendant un moment, je me suis cru en multi, tellement il y avait deux kills. Ouais, s'il te plaît. Je crois qu'il m'a reconnu. Je suis pas sûr. Mais je crois qu'il m'a reconnu. Je crois aussi. On a avancé avec Punkill, et là aussi, ça va faire très mal. Ah mon chien. Putain, burn controller, c'est vraiment de la merde. Hein. Scuff, si jamais... Le burn controller, c'était français. Hein. C'est français. Ouais, je sais. Moi, je kiffais. Et bah, on soutient les produits locaux. Moi, je kiffe burn. Est-ce que j'avais acheté une burn parce que c'était partenaire avec Brox? Oui. Alors attends, tu ne rentres pas ton argent, monsieur Renzo. Si ils ont spawné ici, ça veut dire qu'il y en a un qui est en dessous. Monsieur Renzo, je veux pas ton argent. Oui, pardon. Une full team comme ça, ça se passe de commentaires. Du côté de l'Aria, ça s'éclate. Vous entendez des gens parler, vous? Moi, j'entends personne. Non, moi, oh les gars, je viens de me faire éclater par un sniper. Bon, on va retrouver The Moid en espérant que la chance lui sourit un petit peu plus. Non, survie, VG, survie, survie, t'es tout seul. Oui, je vois l'argage. Wesh.
Ah bah survie BG. T'as fait quoi BG? J'ai cassé mes jambes. Bon bah là aussi c'est raté. Tiens, je crois que Tomati se faisait traquer par plusieurs stream hackers. Oui, carrément, je vous attends les boys. Ah, je t'entends, t'es un peu trop près de moi toi, tu pues de la merde. Attends, va-t'en. Ah, il est là, il est one shot ce chien de tomate. Oh, il est là, il est vraiment net. Allez, venez, venez. Allez, venez, venez. Ah, il m'a niqué. Ah oui, je vous nique. C'est mon métier. Va. Ça fait quoi les mecs là? Là, je peux pas faire rien avec. Putain, ça. Un peu moins de blabla, messieurs, et plus de shoot, ça ferait pas de mal. On pensait avoir tout vu sur Call of Duty, eh bien non, car figurez-vous que Activision a réussi à nous sortir une grosse dinguerie. Pour une fois, ça ne se passe pas du côté de la boutique de MW3 et Warzone, mais bien du côté du Call of Duty Shop, la boutique en ligne sur laquelle vous pouvez acheter tout un tas de goodies ou de vêtements à l'effigie de la saga Call of Duty. Sachez que en ce moment, en dépensant la somme de 100$ ou plus, vous obtiendrez un camouflage exclusif répondant au nom de Cheetador. Ce camouflage vous en doutez, il est compatible avec toutes les armes de MW3 et Warzone, et déjà les critiques sont nombreuses. Certains y voient une petite récompense bien sympa pour ceux qui dépenseraient leur argent dans la boutique, mais certains y voient une véritable arnaque. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce camouflage est en vérité issu de Call of Duty World War 2, un autre opus de Sledgehammer Games, et à l'époque, il était gratuit. Et vous, qu'en pensez-vous? Allez-vous dépenser votre argent dans le Call of Duty Shop? Dites-nous tout ça juste en dessous ou dans l'espace des commentaires. Maintenant, allons voir ce qui se passait chez Punkill. Vas-y, viens, je suis là. Oh, oh. Oh là là, j'ai mis une dinguerie. Le chat, Clipper. Oh là là. Comment j'espère personne clip. Oh là là, mon rêve. Bro. Et tu franchement, tu verrais le clip, tu m'en virais. Et regarde les commentaires, allez, commentaires dans le chat. Je pleure sur le clip. Le clip était clairement nécessaire. Et d'ailleurs, il en est de même pour Jokis TV. Aïe aïe. Oh ben tabarnak, c'est moi le pénis. Hey, get your bitch ass. J'aurais pas dit mieux. Oh, si je suis trop drôle les frères. Non, mon mec il est dead. Mais j'en ai marre de tomber avec des mecs qui sont trop gays genre. Je suis t'as cru que j'allais dire. Vas-y viens. Zop. Mais on est ensemble ou pas? Genre là, oh, je suis vraiment trop con parce qu'un modèle de chat à proxy et tout, je connais pas genre ta mère. Je comprends pas tout ta mère. Mais bref, t'inquiète. Ça veut pas dire que je suis nul au jeu, hein. En vrai, je suis un peu paquet de jeu, t'as vu? Parle trop. Ça, c'est fait. Pour ce qui est de show H1, ça fonce dans le tas. Il est juste vers les voitures là-bas. Ouais, voilà, parfait. C'est celui-là. Magnifique, incroyable. Il n'en a fait qu'une bouchée. Retour sur Rebirth Island avec un Punkill vraiment bouillant. Ça, c'est TikTok direct, hein. Oh là 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 là. Eh, cette partie, je sais pas ce qui se passe, mais. Je suis différent! On prend snipe. Je suis différent! On continue avec Saxy qui était tout aussi bouillant.
Il vous fait péter un plan, là. Une balle vraiment violente. Tiens, regardez qui voilà. C'est un huis clos, là. C'est down, il faut mettre down. Ok, le premier qui fuit le fight a perdu. C'est parti, 3. Non, il faut down. Ok, ça marche, 3, 2, 1, allez, go. Oh, je t'ai défoncé. Oh, le tricheur. Moi, t'as pas de preuve. Moi, j'ai triché. Qui a vu une triche? Mais j'ai pas triché. Mais, ah bah franchement, moi je vois, franchement, j'ai rien vu. Allez, 3, 2, 1, go, go. C'est tellement nul, quoi. Tellement je te défonce, quoi. Oh, je suis encore défoncé, là. Oh là là, oh là là. Oh là là. Oh mais putain, vraiment un tricheur de merde. Bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Alors, vous le savez, l'une des nouveautés de la saison 3, c'est l'arrivée de la nuque sur Rebirth Island. Et pour faire descendre le chrono plus vite, Renzo a sa technique secrète. Il reste combien? Une vingt. Encore une minute, encore. Là, tu fais le super kick de Minecraft, donnez des sous, j'ai pas rien. Hors contexte, ça peut surprendre. Oh fuck, I'm dead. Oh my days. That's a guy. Oh my god. On enchaîne avec Tomaki, bien décidé à faire le ménage dans ce bâtiment. Oh, ils sont où là? Ils entendent des mecs brailler dans tous les sens là! Qu'est-ce qui se passe? Je voulais recharger mon perso, il a commencé à faire un scanner rétinien pour demander une carte. Ah mais pas. Putain. C'est vachement le moment là. Quand ça veut pas, ça veut pas. Chez Nurma par contre, tout se passait bien. On fait un rapide détour sur Urzikstan. Il y a un mec. Mais c'est fou ça. Oh. Yes, look the kill cam. Look the kill cam. Ouais. Ah ouais. S'il voit la kill cam, ça part directement en signalement. Et c'est donc sur ce clip de Movie que cette vidéo se termine, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous le savez, le meilleur moyen pour nous le faire savoir, c'est de nous laisser un petit like, un commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, bonne journée, bonne soirée et salut tout le monde.